Nous bienvenue sur Haïti Food TV. Une énième édition. Et comme nous connaissons, le peuple haïtien surtout est très motivé. Dimanche qui était 21 février, nous avons un calendrier Copa América. Le calendrier est sorti. Et la compétition s'est jouer aux États-Unis. Donc, des grands pays suspens, j'en ai dit, qui t'a tombé. Et finalement, le DRJT, Haïti, il retrouve l'ampoule, Brésil, Équateur, Pérou. Donc, c'est une bon poule qui est facile, c'est une poule qui est de taille. Si tu nous connais, Brésil, pentacampion del mundo. Et Haïti, et on sait aussi qui est une équipe qui est intraitable. Surtout dans la dernière édition, Gold Cup là, nous avons qui ça que tu es sur tes banaux comme football. Donc, nous sommes Haïti Foot TV. Nous vous bienvenue et Haïti Foot TV comme nous l'habitude dire, c'est l'émission Pau, c'est l'émission BAM. Et je dis à nous un gros gros garçon ensemble avec nous, comme invité nous. Et nous pas de plus. Et Jean ouais Samba Foot fait là avec Neymar, Jean ouais Itélé fait là avec Zinedine Zidane, Jean ouais et Catalan fait là avec Lionel Messi. Donc c'est comme ça que nous pas fait là invité nous. C'est un gros monsieur et monsieur ça les ouais beaucoup t'aime. Après quelques temps, après pause, on pourrait dire que je suis obligé de rester pour une chaise BAM pour me chita, pour me tendre comme M. Sahar. Je ne vais pas nous donner, je vais me tendre nous et pour le venir de côté tout à l'heure. Et puis après ça, je vais voir qui est ce que je vais parler. Je vais commenter le football ensemble avec moi, je vais commenter la sélection nationale, je vais commenter la carrière football. Donc je vais pas nous boule. Donc monsieur, je ne vais pas nous dire boule. Parce que papa, ça me dit que je vais nous dire boule. Monsieur, c'est Saint-Marc. Encore une fois, après Jim Maslin. On sait marquer quoi notre ensemble avec nous. Donc, entendre M. Vini de côté pour nous parler de qu'est-ce qu'on peut parler aujourd'hui. De vos chefs, bonjour ou bonsoir, dépendamment du côté où vous regardez Haïti Foot TV. Et comme nous avons annoncé, nous avons déjà un bon petit poule déjà, comme papa Saltema Demni. Mais monsieur Ali est originaire de Sema et il est ensemble avec nous là sur le plateau. Là. Et Noëli. Qu'il y a une différence entre être connu et être populaire. Je pense qu'il n'y a pas de différence pour nous. Non seulement il est populaire, il est connu. En politique, il y a même dit ça en pile, les campagnes électorales. Mais nous parlons de campagne électorale, mais nous avons une campagne Copa América Centenario qui a fait en juin 2006, en juin 2016. Donc c'est pour ça, je dis à nous pour plaisir. Nous. Et gros garçon, ça, il est de passage aux États-Unis. Et on t'a dit que ça t'a dû en pile pour ne pas multiplier les contacts pour nous gagner ensemble avec nous sur le plateau. Et peut-être jamais, je n'ai pas besoin de dire plus, ou là ensemble avec nous, à Haïti Foot TV là. Et je vais juste poser une question d'entrée de jeu pour nous dire qui motive, qui met nous et aux États-Unis pendant la semaine ça. Bon, une salutation spéciale à tous les téléspectateurs, à tout le monde qui a regardé l'émission. Et avec tout le monde. Et tous les messieurs qui sont sur le plateau là, et au même spécialement Didi. Et c'est juste une petite vacances et une petite petite fille ici. Je suis juste passé pour mes Noël. Et puis, je me décidé de venir juste pour une semaine. Et demain matin, de très tôt, je suis obligé de rentrer en Haïti parce que le championnat national a commencé. L'équipe de Baltimore est en bataille. Je suis obligé de retourner pour ma jeu. Cela veut dire que c'est mon père qui est responsable, qui est conséquent. Avoir une fille qui est aux États-Unis, venir fonctionner ensemble avec lui, c'est déjà un message très fort pour monsieur qui a regardé nous, pour le footballeur qui a regardé nous, surtout. Et c'est pas n'importe qui fait, c'est Peter Germain, son modèle félicité au niveau sélection nationale, surtout. Il y a une dernière interview nous, qui c'est James Marsley, qui t'a dit que le modèle dans le football là, c'est Peter Germain. Et je vous dis là, nous avons des chances nous pour nous gagner Peter Germain. Nous avons annoncé les gens à Haïti Foot TV, nous avons décidé pour nous payer un ticket. Et heureusement pour nous, nous n'avons pas payé un ticket. Monsieur vient nous jouer nous. Nous avons dit bon, si monsieur vient nous jouer nous, il faut nous profiter. Prends monsieur. Et nous connaissons chaud ça. C'est chaud pas. C'est chaud pas. C'est chaud pas Peter Germain. C'est chaud pas Goldman Pierre. C'est chaud pas Roosevelt Désir. C'est chaud pas Wilfried Montilas. Donc nous connaissons que depuis là, nous avons des possibilités pour nous passer sous tableau. Donc nous sommes à Haïti Foot TV. Nous avons quelques bonnes minutes pour nous passer ensemble avec Peter Germain, pour nous commenter l'actualité football là. Surtout nous connaissons une grosse opportunité qui attend nous. Et nous connaissons Peter Germain, c'est un petit pays d'Haïti. Ils sont petits Baltimore, c'est une petite sélection nationale de football. Donc Peter Germain, ensemble avec nous.
ou dire que ou t'es une petite fille, c'est déjà quelque chose. Et être père, c'est encore quelque chose. Je pense que c'est à féliciter pour mon cap garder chose ça, pour devoir et de papa que vous gagnez là, pour dépasser une petite tour, et que vous allez tourner peut-être bientôt dans le club chez vous. Et avant que vous retourniez dans le club chez vous, le club chez vous, il jouait dimanche dernier, il fait match nul contre ASPG, 1-1, à domicile, sans Alain Vibert, sans Peter Germain, sans Ricardo Adé. Donc le Baltimore de Semar, sans ses stars, arrive pour match nul. Dis-nous, Peter, comment vous considérez match ça? Est-ce que vous estimez que par rapport à l'absence de tout ça, c'est un très bon résultat pour le Baltimore de Semar? Oui, c'est peut-être un bon résultat parce que en pile nég, pas là. Moi-même personnellement, étant que capitaine de l'équipe de football là, pas là. Il y a seulement 15 jours de préparation et nous quittons équipe jeune. Une équipe jeune à son 18-20 ans qui soutient dans l'équipe Ligue 1, qui monte dans l'équipe Ligue 1 qui vient jouer. Et je ne sais pas si nous avons des rumeurs ici, tout, il y a un pile dans le cadre d'anciens joueurs de l'équipe qui décident à jouer dans l'autre équipe. Mais il faut nous oublier dans l'ensemble, toujours des bagages ça, surtout en général, les saisons ont fait commencer, des joueurs qui ont quitté. Mais nous-mêmes, Baltimore, comme d'habitude, nous pas affolés seulement nous dit. Nous travaillons, nous avons pépinières, nous avons équipe monde qui là, nous équipe qui voulait aller, n'a quitté aller parce que c'est la vie football, c'est apprendre ça qu'on y a là et puis demain pour aller bailler en l'autre côté. Et nous allons montrer en l'autre équipe football parce que la saison qui s'est passée, nous perdons la finale devant FICA et nous pensons faire mieux pendant l'année ça et c'est pas un big deal si il y a un monde qui allait, mais la seule chose nous souhaitons un succès dans l'autre chemin au point, dans l'autre route là. Et puis nous-mêmes, nous avons continué. Et encore une fois, le résultat, je pense que c'est un résultat qui est positif pour l'équipe là et pour moi-même avec toute l'autre équipe qui est à l'étranger. Tout à fait. Il y a certains médias locaux qui ont relaté Mathieu Sahar en l'absence de Peter Germain, en l'absence de Ricardo Adé qui est transféré au Don Bosco de Pétionville, en l'absence de Alain Vibert qui est un pilier qui est football là. Ils ont estimé que NAEA c'est un très bon résultat pour le Baltimore, surtout avec l'équipe jeunesse qui a essayé de prendre et j'arrête qui a essayé de prendre expérience au niveau championnat national là. Et Peter Germain, nous allons entrer normalement cause ensemble avec vous. Et je ne vais pas parler en rien. Et je fais une présentation pour vous parce que vous êtes un monde, comme journaliste, je n'ai pas besoin de dire Peter, comme équipe nationale qu'on gagne. J'aime des îles là, dans le commencement interview. Ma petite nous encore, ce n'est pas n'importe monde qui devant nous. Et vous pas le temps, vous avez bonne raison, vous avez été foutu de raison. Peter Germain, monsieur Palma Resté, il y a 4 titres nationaux. 2005, 2006, 2007, 2011. Les champions Coupe Caraïbes en 2007 avec la sélection nationale. Il y a 2 Super 8, les champions, 3 champions des champions. Les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs Atlantique Windows 2003. Retour avec un championnat violette qui est organisé avec Mazuka à l'époque. T'es champion sous le violette 1-0. À l'époque, c'était Kendi qui a marqué Gangosa. Son passe de Grima Barthelmy, que je me rappelle très bien. Et les lauréats Ballon d'Or haïtien en 2008. Et les deuxièmes lauréats en 2007. Les troisièmes lauréats en 2011. Attendez, avec Ballon ça seulement, monsieur qui est tout petit ça. Attendez, ça m'a dit non, pas encore fini. Monsieur dit c'est meilleur joueur régional en 2014. Les deux fois champion avec sélection CEMAC dans l'interrégional, les deuxième meilleur joueur Coupe Caraïbes en 2011 Trinidad dans la Ligue des Champions contre CACAF. Donc, les vice-champions national tout récemment, 2015, ils perdu malheureusement face le FICA qui est 6e titre. Ils ont pris 6e titre sur le Baltimore. 1-0 au Parc Lovell de CEMAC et 1-0 au retour. Donc, Baltimore qui perdit deux fois dans le retour. Peter Germain, avec tout palmarès, sans que je ne pas oublier, au champion, Madame Gougous, avec sélection Saint-Maclan. Donc, il vient après dans la tête, moi, dans ce que mes griots, ça vient dans la tête, moi, ça vient d'où, avec tout petit ça, Peter Germain. Bon, c'est juste un travail longue haleine parce que, depuis tout petit, tant que tout le monde qui sortit Saint-Maclan qui a joué au football, c'était un rêve, un grand joueur de football parce que, lorsque Saint-Maclan a une trace, a un chemin pour suivre, l'entendez des nègres qui plus grands en cours et Pierre-André Dorvilus ou la famille de Misa Gadi, Suzuki, André de Misa, Jacques Magoufi, Franz Philippi et tant d'autres. Je pense que c'est une bagaille qui motive
l'oeuvre de football, Saint-Marc pour venir gros joueur de football. Et moi-même, c'était une des choses qui était motivé tout parce que j'ai vu des gens comme Karl Max qui viennent, Pierre Roland qui viennent, ou même Dimitri Tou, Grima Batelmi, Luxon Joseph, et tant d'autres joueurs encore qui viennent. Moi, j'étais plus petit, je me disais, peut-être que ça ne m'a pas essayé de copier avec ça. Par la chance, je viens d'aller dans l'opération 2006 et côté équipe, Baza Sibonit, dans nos champions. Et moi, je viens de faire partie de 40 personnes qui retenaient pour être dans un show qui t'a regardé la Coupe du Monde qui t'a fait en France en 98. Dans 40 personnes, tu as choisi seulement 16 personnes. Et dans 16 personnes, c'est les personnes qui sont plus bons sportivement et pédagogiquement qui apprennent. Ça veut dire si ça nous est les sports étudiants, si ou pas qu'à faire moyen nous. L'école de classe. On pas besoin quoi comme si football là même en France. Extraordinaire. Non, pas rien ça. Alors, ils étaient obligés de faire un mélange entre sport et puis étudiant pour qu'elle participe dans la Coupe du Monde là. Moi-même, avec travail, motivation et avec envie tout, objectif là, rêve là, j'étais atteint. Et je viens de retourner, je fais une deuxième année encore dans notre genre, et puis jusqu'à ce que je viens de retourner, montrer la caméra, moi je joue pour Baltimore. Je me dis, tout le bagage ça, je suis toujours gagné dans la tête, écrit dans un bout de papier, et jusqu'à présent, je suis gagné dans la caméra. Et rêve, moi, c'est de venir jouer au football dans le coup Zidane, aussi populaire, aussi talentueux, et suivre trace des joueurs dans le coup Pierre-Olan Saint-Jean, Bruni Pierre-Richard, qui c'est une légende dans le football haïtien. Je vous dis, avec à peu près 20 titres que nous n'avons pas mentionné, tu as gagné All-Stars qui étaient faits dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Le ou la Dauphine Champion, tu as cherché qui est ce monde qui est pour meilleur joueur, tu as fait équipe pour la Douan, font match avec un All-Star. Tu as dit All-Star, tu prends tout le meilleur joueur qui gagne dans le club, et puis tu as fait dans le match, c'est moi-même qui sorti meilleur joueur, et puis tu as fait un bon. Et Fomzo, ça ne m'a jamais oublié qu'on n'a pas qu'un nègre, n'est-ce pas pour Pierre Oulan, Grima Batelmi qui. C'est toujours à bon coup de nez parce que comme nous, l'aime fait paraître, nous avons un gros problème dans sa nouvelle endurance capacité. Pas de courir en pile. Et Nexao, c'est des bêtes de travail, bêtes de terrain. Léo, pour nous faire le travail avec vous, même si vous mourir dans la route, il y a quelqu'un de monde côté où vous allez, il faut que vous menez. Et pour nous dire Nexao, un grand merci. C'est grâce à vous, je vous dis, ça m'y est. Et me reconnaître ça, c'est ça qui fait tout. Les ministres, c'est un coup de grimaille. Même si nous étions dans tout côté, il faut que nous prenions l'arrière pour nous régler ça, pour nous régler. Pas des autres, non, madame. Seulement, al flan, al gadi bay, ou nan mol la, comme on bay. En termes de reconnaissance, Sami sa, l'ité. C'est un bagage pour la vie. Tout à fait. Pour la vie, parce que le côté que l'ité booste, et je dis, booste ça, il fait plus j'aime ça, je dis. Donc, c'est intéressant quand même, parce que ça, bon, chat de poule, le soir, dis, parce que. Parce que nous avons dit que le commencement de l'émission, ce n'est pas n'importe qui que nous avons dit. Et donc, je voulais mentionner pour Peter Germain, avant Baltimore, vous avez fait un petit coup de carrière dans le littoral de Saint-Marc, qui sont ces clubs de Bolacao, c'est lui-même qui a fait le bon, ou boosté ça. Et c'est lui-même tout, et qui Baltimore a fait le bon. Qui sont gagnés aujourd'hui de littoral, qui c'est peut-être, on dit un club quartier, aujourd'hui, il n'a pas existé encore. Qui le problème c'est quoi aujourd'hui? Bon, c'est juste un problème de continuité. On connaît problème difficulté économique qui gagne dans le pays d'Haïti. Là où on a baissé faire un bagage pour contre et puis c'est au même cap dépenses au pas rentrer, il y a un petit genre difficile pour qu'embé surtout le monde n'a pas un gros comme dans meni. C'est peut-être ça privé avec quartier avenir en pile monde qui vient partir vient vivre à l'étranger, il y a un pile monde qui mourit. C'est ça, mais moi-même, je n'ai pas de chance de jouer dans une grosse équipe littorale, c'est dans l'équipe minime et je n'ai pas de jouer. Et puis après, bon, Baltimore, après un match, et avec un coup Nono, Dr. Claudie, Marcos, et bim, il y a la caméra à côté de maman, je me dis maman, et au petit garçon là, nous avons joué, nous allons voir comment on va faire avec comment on va faire, ça, nous allons la caille, nous allons la caille, nous avec nous allons dans Baltimore. Premier soulier football, je vais me lier, ma cosmote ben moins, son soulier mythe noir. Grain gauche là, manque 4 grains dans des. Je vais me lier, bagaille ça. On fait plus comme tout, à la vérité, c'est peut-être commencement, mais qu'on y a, et je n'ai pas de problème, n'importe soulier football, je besoin, Dieu soit joué. Oui, n'importe ça, je besoin, et. Comme je dis la vérité, ce n'est pas bagaille tout marché tous ces derniers temps. Parce qu'il y a un paquet de joueurs
qui a joué à l'étranger, par exemple, des temps que Jean-Jacques et mm-hmm. James Maslin, qui ici, depuis venu, ils ont joué une opportunité, ils ont toujours voulu bagarrer ça. Au moins, c'est pas presque acheté tout. C'est peut-être une bagarre qui ont tiré été dans l'esprit, parce que suivons trace Kembil pendant 15-16 ans de carrière football, ça veut dire un paquet de bagarre. Mm-hmm. Et me dit bon Dieu merci tout, qui t'es bon aide, qui Kembil est encore vivant, qui même si on compte blessé, mais c'est pas jamais bagarre qui trop grave. Et je ne vous dis en cas là. Nous avons fini à Baltimore et où c'est un joueur qui est censé marquer plus de goals pour l'équipe Baltimore là, ou figurer plus pour l'équipe Baltimore au niveau championnat national, ou pas jamais dans l'autre équipe. Je vais juste poser une question, Peter Germain. Ou pas jamais pendant la carrière de football, un club qui fait yeux doux, qui offre beaucoup plus pour te dire que bon font un choix économique au lieu de choix sportif parce que je gagne tout le que je gagne à Baltimore. Pour que ça ne soit pas jamais envie de quitter Baltimore, qui est marrant comme ça et qui fout ça? La vérité, c'est que Baltimore a une philosophie qui est semblable avec PAM. Ça, moi-même, qui est dans mon vivre. Qui philosophie liée, moi-même, son est qui a un caractère qui est fort, qui est orgueilleux. Et Baltimore, c'est peut-être point fort. Yo quoi dans travail tout résultat yo a venu dans travail et pour mon caractère qui fort pour gagner temps passer temps au sous terrain pour travailler jusqu'à ce jeune résultat faut qu'on gagne caractère et c'est peut-être ça qui mélange nous qui fait mariage qui fait ça marcher et Baltimore forme c'est une équipe football qui différent par rapport avec tout ça toute reste équipe qui vient dans pays hein. Son équipe qui gagne génération en génération qui le formé, c'est pas équipe qui presque jamais acheté moun dans 25 26 ans non mais agnou avec une équipe là dans les vingtaine 17 18 ans et puis après bon nous commençons avec lui pour le moment moi même pas dit oui m'pas dit non mais quitter Baltimore les a passé et faut me dire la vérité une fière de ce qui me fait toute carrière football moi là parce que je ne vais pas regretter rien. Tout ça pour me regretter, c'est peut-être que je suis trop petit, c'est tout simplement ça. Mais à la vérité, je ne vais pas regretter rien qui me fait choix Baltimore. Et si je suis pour me faire le choix, c'est encore une fois l'équipe Baltimore qui me fait le choix de lui encore une fois. Je ne pense pas qu'il y ait aucun regret avec tant de titres que vous avez. Je pense que c'est à complimenter parce que ce n'est pas un cadeau de folie, c'est travail qu'on travaille pour un titre ça. Et parce que vous avez un joueur qui a cherché même un titre et vous n'avez pas qu'à jouer. Et où sont les premiers matchs pour jouer pour le Baltimore en championnat national? Contre Gringoire, la CAI Gringoire. Où sont les premières équipes pour Baltimore en championnat national? C'est Valencia de Logan. T'as une bonne mémoire, Peter Germain. Ouais. Si toutefois que vous rappelez le premier match et le premier goal vous fait dans le championnat national, mon cher, c'est à féliciter. Parce que j'ai dit non, je pense que jouer est supposé suivre vous comme un modèle parce que en termes de capacité footballistique qu'on gagne, hein, et ou une capacité éducative la ca ou tout et pendant que wap jouer wap apprendre jouer là parce que c'est à féliciter c'est à complimenter et ou pas une ça facile en dans championnat national là pour jouer toute caractéristique ça donc parce que Peter Germain Haiti Foot TV moi même personnellement Narcisse Dimitri papa Sadkinder caméra café madame technico je pense que nous félicitons c'est quelque chose c'est appréciable et de ça que à faire. Et peut-être jamais nous commencer à joindre et feeling dans l'interview et je pense que jodi et Simda dit peut-être jamais qui commence à jouer football à 8 ans d'âge qui fait toute carrière ça qui gagne tout titre national ça Simda dit peut-être jodi là on va parler avec quoi là deuxième journée national on va commencer Simda dit peut-être jodi à quel niveau que lié et Simda font comparaison peut-être jamais qui opération 2006 là à 2016 ça va être plus de 10 ans qui différence que me fait aujourd'hui avec Peter 2006 là Peter 2016 là Peter 2006 ans c'était on jouait avec un talent enragé un lenteur enragé mais qui était toujours un réflexe extraordinaire tu toujours bien un caractère qui fort. Et peut-être 2016 ans, c'est différent parce que moi agis avec humilité, moi joue avec plus intelligence, pas jouer aussi non fâché sous terrain n'importe façon, n'importe genre encore. C'est normal parce que c'est l'âge
Parce que je n'ai pas... La jamais la oui, je n'ai pas pensé même avec mon qui a 20 ans, qui a 22 surtout, ans. Surtout, on a même un pocho, surtout. Tout oui. Était mon caractère oui. Très fort. Oui. Discussion avec Abit des fois, oui. Après des capos stupides. Oui. Donc, je dis à Abit jamais, il n'est pas gay, tempérament non, tout ça. Il est un peu modéré. Oui. C'est tout ça, c'est des bagages qui étaient DM. Qu'on y a ou bien éducation tout le monde pour penser ou bien une image ou en fin de carrière bien de monde qui pourrait le prendre pour dire mais qui est ce mon noté ou une image pour protéger et ça moi quitter pour le moment on pensait moins qui tomberait qui satisfaisant et pas qu'à la dernière année pour me chercher des suivis la seule chose c'est essayer de travailler améliorer le jour et puis devant l'aime pas là m'a quitté on bagaille à 10 petites moins mais qui est pas palté mais qui monde pas palté parce que c'est ton bon joueur football c'est ton monde qui te respecte tête moi même juste c'est ça que c'est mission nous c'est revendre l'image du football haïtien c'est revendre l'image c'est vendre l'image du football haïtien Haïti Foot TV pas tendre pour mourir pour honorer c'est avec nous même notre travail d'arrache pied pour nous honorer déjà c'est une félicitation pour nous-mêmes. C'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous sur le plateau aujourd'hui ensemble avec vous pour travailler, pour nous interviewer. Parce que, j'aime dire là, c'est comme si Samba Fouta interviewait Neymar. C'est comme si il était gagné Zinedine ensemble avec lui. C'est comme si Marca était gagné Cristiano, était gagné Lionel Messi. Donc, Haïti Foot TV, comme nous connaissons, c'est promouvoir le football haïtien, encore une fois, by l'image de football haïtien, hein, de qui est-ce que tu as jamais eu. Et je dis, Gémoun. J'en dis là, il y a une différence qui est connue et populaire. Pour moi, il n'y a pas de différence pour lui-même. Il est en même temps connu et populaire parce que le pays tout entier compte qu'est-ce qui peut être jamais. Parce que nous sommes pas par le marais sous là, par le marais sous veut dire quelque chose. Parce que et même si toutefois, je dis, on t'a mouru, parce que même avant ta mort, je dis, on faut négo vénéro, parce que le Baltimore, la mairie de Seymour, les députés Seymour, là, magistrat et sénateur et département, je veux dire, pour devoir, pour travail, pour dire comment que le cas nous regarde, ça à travers un statut, ou bien par contre, il y a quelque chose. Parce que quand même, c'est son devoir, un devoir accompli, parce que au travail pour lui, on mérite ça, et l'ouvrier qui travaille mérite son salaire, parce que putain jamais, on mérite ça, parce que chapeau bas, et gros chapeau bas pour tout travail sans que faire, et jusqu'à maintenant, ou toujours qu'il est là, ou style à jouer. Et pendant à jouer, ou bien une saison ça qui a venu là, ou raton champion, et pour te mettre sur Isa Sougatoa, si je dis, putain, je dis, qui objectif pour personnellement, pour l'année 2016 ans, parce que nous avons eu Centenaire Copa América qui a rentré là avec la sélection senior football et nous avons quelques temps ou pas fait partie de la sélection de football là, qui est l'objectif principal peut-être jamais avant que nous entrions d'emblée dans la sélection nationale là. Et c'est dernier rêve femme pour le moment, c'est fond dernier titre, on sait qu'il y a un titre avec l'équipe Baltimore là. Avant m'aller, avant de quitter ça, parce que dans tête pas après saison ça et l'autre saison c'est mettre souliers en côté, bail place avec jeune joueur. 2016 là, il un paquet de gros échéances, gros tournoi, centenario qui arrivait là surtout. Et dernière sélection ça arrivait en 2013. Moi quoi c'est 2012-2013 oui, c'était Antigua. Peut-être jamais émission show a commencé en pile feeling, en pile cause de Capdi. Et nous parlons de poser une question qui est fondamentale, une question qui est caractéristique, qui revient à nous-mêmes en termes de préparatifs, comme on se parlait qu'on a fait une carrière, on a beaucoup plus de maturité, et beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de sagesse. Et parce que on t'a aimé et l'on finit de jouer les petits tours à demander pour dire. Mais qui est ce papa que le t'es? Donc, en termes de préparation personnelle, parce que nous avons une échéance et qui est venue devant nous, qui s'est centenaire Copa América. Et dernière fois que la sélection nationale, c'était face à Antigua. Et c'était et occasion pour te battre le Gold Cup. Et puis, t'es jamais, dès lors, pas fait partie de cette sélection nationale-là. Et échéance là, pour qu'on ait une équipe type, pour qu'on ait une équipe définitive. Qui perspective, peut-être jamais en termes de sciences personnelles
dans la saison 2016, non seulement avec le Baltimore, mais aussi qui prévoit ce qui est pour la sélection nationale de football. Alors, premier bagage, c'est la performance avec le club blanc. Et puis après, pendant toute saison, deuxième ou premier place dans le championnat national, là, et puis fait partie de monde qui a un dernier monde qui a prévenu pour qui sélectionna pour et centenaire Copa América. Et moi-même, toujours pensé, dans le pays, il y a un paquet de bons joueurs de football, mais la plus grosse faiblesse, c'est que nous avons un problème d'intelligence tactique qui est un plus gros handicap. Non. Et moi-même, c'est un bagage de travail, essayer de lire des choses dans le football européen, essayer d'apprendre de eux pour m'améliorer tête. Quand il y a plus de maturité, c'est plus facile pour moi de me chiter devant la télévision, de regarder un match et de me faire lecture du match. Pour moi, je prends un petit bagage en plus, mettez sous ça, mien. Et c'est peut-être un objectif PAM. Font une grosse saison pendant l'année là et performant avec Baltimore et arriver dans deux premiers mondes qui a fini dans tête championnat et puis penser avec et centenario parce que son compétition passé tout jouer qu'a joué football dans pays en t'as souhaité t'as aimé là parce que big picture parce que c'est là. Plaisir là, il est toujours partagé ensemble avec nous, il est partagé avec Peter Jem qui est ensemble avec nous là. Papa Sadka fait une gros activité dans la technique là. Et nous connaissons, et nous parlons de carrière Peter, de Palmaresti, nous sommes entraînés à Copa América. Et nous connaissons, qui est en tête sélection nationale là, les bons haïtiens, ici en français d'origine, en l'occurrence Monsieur Patrice Neveu. Et Peter Jem et un nouveau sélectionneur et côté Haïti déjà il entame le processus éliminatoire Coupe du Monde là. Il perd deux matchs, un match à l'extérieur, un match à domicile qui était vraiment et qui ton goût amer non seulement la caille joueur, la caille fanatique et footballeur, plus précisément Haïti Foot TV 1-0 au Stade Simon Kator. Est-ce que vous entendez en contact avec un monsieur Patrice Neveu et qui au moins t'a une idée de qui est-ce qui peut être jamais? Non, nous seulement ouais blanc débarqué dans le pays. Bah beaucoup de fois j'aime parler avec lui seulement moi dans match football moi l'aime c'est dans conférence dans réunion mais c'est pas un monde qu'on croise avec lui même fois pour nous parler mais comme c'est dans même pays nous c'est dans même cercle dans même circuit on a évolué et quand même on a croisé pour nous discuter mais la seule chose moi misé li gen un bel projet pour football là pour sélection hein? Et n'a prétend dans 2 ou 3 mois encore 4 mois encore qui ça va venir avec lui même lorsque nous connaissons situation éliminatoire coupe du monde là une très difficile pour nous. Nous parlons en pile de football, nous parlons de Baltimore, nous parlons de sélection nationale haïtienne de football, nous parlons de palmarès nous petit bail que nous aimons faire en Haïti TV. C'est déconcentrer un petit peu parler de la culture haïtienne. Je connais, par contre, c'est toujours comme ça, je connais aussi un fan de Jacot Music, madame. Ou toujours fan de Jacot Number One. Il y a une différence entre Jacot Music et Jacot Number One. Number One, je ne sais pas si c'est la personne. Tout le monde dans les cas, il y a un goût. Number One avec Number One. Non, dis-nous, qui est-ce qui pousse au rime de Jacot? Moi, je me dis Jacot, c'est. On l'aime. Jacout qui a vu forme au commencement depuis les Jacout Music. Jacout a joué même les live Saint-Max c'est pour chez eux à table. Mais là qui est là au goûter au travail jusqu'à ce qu'on prenne jazz à mettre le niveau. Moi j'ai dernière fois venir dans festival mais font pas là. Jacout a joué les ça moi c'est mon guitare en business pas moi comme ça. Jacout tellement a joué Kassab te gain pour jouer le Jacout là arrivé pour bail c'est gens haïtien relé non va comme ça. Jacot a joué, Jacot qui pour faire mes choix. Ça veut dire c'est pour montrer qu'on croit dans le monde qui a travaillé. Ça veut dire qu'on peut échouer aujourd'hui, c'est recommencer avec plus difficile. Soit accepter de recommencer, chaque jour essayer, à prendre le temps ou à priver quand on a besoin. Voilà, c'est ça qui fait moi-même Jaza et je fais effort et je vous dis,
Number one, on va parler de jazz dans le pays, à même temps de tes directions, de tes classes, de tes lots, de ceci. Number one, on arrive devant. Est-ce que ça là où il y a dit, Haïti Foutivik a confirmé, il y a dit, mon très belle relation avec les musiciens comme ça. Oui, Nectar Poupouchon, bon partenaire. Parce que c'est effort jazz. Parce que je dois la vérité, je ne pas quoi seulement dans talent au monde. Je crois dans travail ou fait avec talent. Musicien Jack Couture, ce n'est pas le meilleur musicien qui gagne dans le pays d'Haïti. Par exemple, on prend Tropicana, on prend Tabou Combo, on prend Tempurichi, Ali, Gazman, Gracia, et on cite ça seulement. Ce sont des gros musiciens. Mais Jack Couture, il y a un jeu d'ensemble. C'est ça qui fait ça, et puis l'autre, on comprend. On sent comme si son équipe de football qui a vu assez facile. C'est des amis, c'est comme si ils aiment le football tout. Qui compte majorité footballeur dans le pays, hein, c'est peut-être nous partager le même sentiment dans ce sens. Mais j'aime moi parler à vous, on sent que la musique, on sent que son mélomane, on sait que nous sommes des artistes. Est-ce que c'est artiste à eux? Pas besoin de tout. Pas besoin de tout. Devant, sous son Saint-Marc, moi je ne vais pas prendre un mélomane. On met quoi? On saute de l'autre côté, on va avec Saint-Marc et avec Saint-Marc. Maman, une petite question qui est rapide. C'est Nado en dehors de football. Et d'autres sports, Mdado, entre Mohamed Ali et Mike Tyson, qu'est-ce que tu as choisi? Mohamed Ali, et si Mdado, par exemple, il y a un Ferrari ou un Mercedes, c'est quoi ta préférée? Ferrari. Et si Mdado dit, qui est plus bon caractère, Peter, entre souris et fâché? Le fâché? Oui. Et donc, plus bon caractère, Peter, s'il est le fâché, oui. Donc. Nous tendez, nous well, donc tendez à quoi c'est deux, nous pas répéter, mais nous même c'est Haïti Foutibi, c'est pas ou, c'est pas Peter Jamais. Donc Peter, nous allons venir faire choix et nous allons essayer ça que nous avons fait avec un pile jouet qui passait sur le plateau ça. James, c'était le dernier monde qui passait sur le plateau. Et nous avons dit où c'est joueur préféré, c'est nous dit qui est-ce qui joue préféré Peter Jamais dans le jouet de ça. C'est qui est-ce lié? En Haïti ou en Haïti, au niveau national. Ah, Winnie Pierre Richard. Bon, pour me citer un seul, mais bon, pas quel joueur, mais Winnie, c'est. Son référence. C'est idole là. À la vérité, je prends un coup Carlo Massner pour intelligence li, et Pierre-Roland Saint-Jean pour abattage li, pour. Comme si il est fort fait dans le jouet, la conviction, comme si fausse caractère. Détermination. Oui. Mais au niveau international, jouer un, il n'y a pas l'autre que Zinedine Zidane. Il n'y a pas l'autre. Non, ça c'est son modèle, son légende. Il y a des bagages qui se fait avec un ballon football. Il n'y a pas un Brésilien. On t'a dit comme si c'était qui sortait en Amérique, qui a une qualité technique. Ça, non. On est pour Maradona, Peléo, l'autre. Mais Zidane, non. Oh. Oui, monsieur, déjà. Oui, 98, moi Zidane, le gars la Coupe du Monde là. Ça fait moi avec moi, mais Zidane, quoi ça? Parce que je préfère que je Ah, moi, bah, c'est je préfère au niveau international. Moi, j'ai raison pour ça, parce que moi, c'est comme si Devangene qui a joué dans l'entraînement Claire Fontaine. Et moi, j'aime tellement MC qu'on l'équipe de France a entraîné parce que tu es en centre de formation. Malgré un peu bon là juste pour me carrer MC. Et puis MC juste passé et puis il dit hey, bonjour petit, ça va? MC m'a en tête. Je fais toute journée avec même notre tête. Je vais me retirer parce que Zidane m'a en tête. Nous sommes des équipes, mais pas sans raison. Ouais, pour ce carré football, c'est pas sans raison. Frère. Tout à fait, on a raison. Bon, putain, nous allons finir le choix. Le choix vraiment intéressant. C'est vraiment, je connais que le dame pour moi était plus. Nous avons un temps qui est limité pour respecter le temps et surtout nous avons notre activité et qui est en cours. Et je veux dire, Peter, si Mdado choisit 11 de départ dans toute carrière football, ça, gros ton garçon, ça, je veux dire, parce que qu'on pas quel bagage, on pas fait pour compte. On fait là un goalkeeper, on fait là un défenseur, on milieu de terrain, on avance-centre, que Négou Baye qui recevra pas ça plus bien, ou bien qui connaît pas ça plus bien, on connaît Dumel. On connaît dans moment gain Gochavan sélection nationale là gain Achat Dukinson on connaît joueur avec Wilfried Montilas on parle de Winnie Pierre Richard et on gain les 16 petits qu'on paquet monde qui marquait et football national là José Sanda Dipiter et sans oublier mon petit ton coup qui sorti le regard que j'avais dans Floréal donc next ayo Sanda dit font 11 de départ est-ce qu'on a bien courage parce que Jim Massin dit pas qu'à faire. Est-ce que Peter a bien courage dans ce moment-là pour qu'il fasse un départ? Même si à l'avenir, Peter a dit, bon, Dimitri,
C'était 11 bouillons sari. Est-ce que m'a fait le jour d'hier là? M'a essayé de faire une. Même si Guédenek. Qu'a fait-il fâché? Oui. Parce que Guédenek m'a promis souvent. Aussi, Guédenek m'a pas pris la donne. Qui t'a supposé qu'il place la donne. Pour Gol qui perd, sans doute, je ne vais pas jouer avec les 16 petits. Mais moi, les 16 qui a joué, c'est ton lot de bagaille. Je ne vais pas jouer avec les 16, mais moi, les 16 qui a joué, c'est ton lot de bagaille. Si tu as toujours choisi ça, c'est les 16 qui t'a pris. Défenseur, il n'y a pas l'autre que Bouini et puis Pierre Jean-Jacques. Comme. Deux arrière-droit, arrière-gauche. Fangil, Stéphane Guillaume. Et à gauche, ça va le dépendre. Ça va le dépendre de quel système on a joué. Si je fais un 4-4-2 simple, deux Nekam, deux Elio. Deux Elio, je ne parle pas. Elio. Elio, c'est Grimaud Batelmi, ça. On va aller gaucher là. Non, je ne vais pas sortir de là. Et à droite, on a toujours gagné, on jouait, il était les Tulien Romélus qui s'est néglé au gars. Tout à fait, je connais Tulien. Et comme il est terrain, il était moi-même, Montilas. Et puis deux attaquants, Goldman Pierre, Pedro Jean-Philippe. Bon, Peter, moi c'est que pas de jalousie, au fond, gros mot de départ. À la vérité, il y a des gens qui ont décollé, tant d'autres, tant d'autres. Je suis supposé prendre Wilson Chevalier, mais je ne peux pas prendre un peu plus de deux. Mais ce n'est pas fâché comme ça. Docteur, Peter, j'ai le bain aux yeux de Paulia. Monsieur, et Goldman Pierre, Wilson Chevalier, ne m'a pas fait jalousie. Miguel Charles, pas fait jalousie, non. Mais quand même, tu l'es, tu es un très bon joueur. Je vais battre, je vais passer 11 ans. Il a joué avec n'importe quelle équipe de football. Et si nous apprenons le football dans le temps et dans l'espace, parce que M. Sayo, c'est gros tonton joueur. Je pense que le pays d'Haïti, nous disons ça, nous riches en valeur, nous riches en capacité. C'est comme pour nous pour mettre les valeurs ensemble pour nous arriver à l'avant. Donc, nous arrivons dans le fait choix, Peter. Et c'est vrai, ou puis au passé, nous avons fait avec James Wayne, nous avons fait ce qui nous a fait, que nous avons continué à tête, mais qu'est-ce qu'il y a de bien? Hein? Oh non, 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 oh non